C'est difficile de déterminer un seul épisode marquant dans une carrière parce que il y en a beaucoup qui m'ont frappé, des événements heureux, parfois d'autres plus complexes, des émeutes urbaines par exemple lorsque j'étais à Poitiers qui ont duré très longtemps, qui ont été un peu difficiles à vivre. Il y en a un qui est, rien que d'en parler, ça me touche encore, c'est la situation que j'ai connue dans mon poste précédent quand j'étais préfète du Pas-de-Calais, où je suis arrivée dans ce département avec une situation migratoire compliquée. J'ai vu se créer ce qu'on appelait, nous, administration, le camp de la Lande, qui était appelé The Jungle par la presse. Je l'ai vu se créer, je l'ai aménagé et je l'ai démantelé à un moment où nous arrivions entre 8 et 10 000 personnes sur le camp. Celui qui me vient comme ça, spontanément, je suis préfète secrétaire générale de la préfecture de Paris. Et c'est un week-end. Le préfet de région Île-de-France m'appelle et me dit « Est-ce que demain à 14h, tu peux être avec moi au cabinet du ministre de l'Intérieur, place Beauvau ?» On nous explique que 4 jours après, arriveront en Île-de-France et à Paris les 400 premiers réfugiés syriens et irakiens en provenance d'Allemagne. J'ai été confrontée à un épisode de surévénement parce qu'a eu lieu un quadruple homicide en gare de Noyon qui s'est avéré un drame familial. J'étais entourée de services compétents, extrêmement réactifs et malgré la pression médiatique, malgré l'anxiété liée à cet événement, il y avait toute une machine de l'État qui pouvait se mettre en place et qui était extrêmement efficace. Si je devais choisir, je crois que je vous parlerai d'un événement plutôt heureux. C'était lorsque j'étais sous-préfète de Beaune et que je portais le dossier de classement au patrimoine mondial de l'humanité des climats de Bourgogne. Et avec toute l'équipe des services de l'État, nous avons réussi ce challenge et les climats de Bourgogne sont aujourd'hui au patrimoine de l'UNESCO. Ça a été une extraordinaire aventure humaine. Mais je crois que notre plus beau succès, c'est de voir des migrants nous dire merci, de les sortir de ces conditions et de les amener vers un meilleur avenir sur le sol français. On a 4 jours pour trouver 400 lits, des couvertures, de quoi nourrir ces gens, qu'ils puissent se poser, être soignés. On commence une course contre la montre incroyable. J'ai ce souvenir de l'arrivée en pleine nuit vers 4h du matin de 3 bus dans une auberge de jeunesse du 13e arrondissement et de leur descente du bus en pleine nuit. Voilà.